Une victoire aujourd'hui, la course a été difficile pour toi? Bah c'est pas parti vite en fait et je savais que ça allait être une course tactique. Alors j'ai fait un gros dernier 1500, mais bon c'est toujours difficile de gagner quand on est favori parce que là j'étais quand même favori. Et voilà je gagne donc je suis super content et je tiens à remercier aussi mon coach Chilou parce qu'on m'a beaucoup critiqué après les inters parce que c'est vrai que j'étais pas très bien. Parce que j'étais en grosse période de travail parce que je venais de faire mon année de médecine, mes partiels. Donc j'ai dû pendant 15 jours faire repos et après j'ai entamé 3 semaines de gros entraînement. Donc j'étais pas bien, alors tout le monde me disait ouais il s'entraîne trop tout ça. Mais voilà, j'ai confiance en mon coach et je savais très bien qu'ici je serais fort aujourd'hui. La force il a fallu surtout la chercher au niveau mental ou physique aussi? Physiquement vraiment la course n'était pas si dure parce qu'on n'est pas parti vite. Donc c'est pas une course très très rapide forcément. Mais au mental c'est dur quand on est favori d'aller s'imposer. Surtout avec la mésaventure que j'avais eue avec Aix-les-Bains. Où j'étais favori, j'avais fini deuxième en me faisant battre au sprint. Donc là dans ma tête je me suis dit plus jamais comme Aix-les-Bains et j'y étais au mental quoi, vraiment c'est ça. Donc à aucun moment tu as douté, la course a été difficile sur la fin ou pas? Au championnat de France on doute toujours, surtout moi, j'ai jamais eu trop de chance en championnat de France, donc si je doutais vraiment, mais j'avais la rage et donc voilà, c'était le principal et on a une super équipe. Et il paraît qu'on a gagné par équipe aussi la JBO donc voilà je suis super content, il y avait l'équipe qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est vrai qu'individuel c'est bien. Mais quand on est une équipe, c'est mieux et j'ai la chance d'avoir l'équipe, donc c'est super quoi. Tu es donc en deuxième année de médecine, c'est difficile toujours à concilier ou c'est encore possible? L'année dernière, c'était la plus dure parce que c'était le concours. Cette année, c'est un peu moins dur. Mais bon, il y a plus de pression en junior 2, mais non, pour l'instant, j'y arrive, donc je suis content. Pour l'instant, tout se passe bien quoi. Très bien, mais félicitations. Merci beaucoup. Maxime, comment s'est déroulée la course pour toi où tu finis donc deuxième? Bah, la course elle était assez tactique, on s'est beaucoup regardé pendant plus de la mi-course. Il y a eu quelques attaques comme Djilali Bedrani qui a attaqué à mi-course pour essayer de durcir le train. Ça ralentit derrière et puis après bah, il y a les L vainqueurs bah, qui placent une grosse attaque. Et j'ai essayé de le suivre, j'avais pas les moyens de le suivre, mais ça m'a permis de faire le trou sur mes concurrents derrière et d'assurer un podium quoi. Tu partais avec quelle ambition pour ce championnat de France? Pour chaque course, je pars avec l'ambition de gagner parce qu'on s'aligne au départ d'une course, c'est pas pour faire deuxième ni troisième. Le deuxième, il a perdu, mais bon, je suis content quand même. Voilà, c'est de gagner la course, mon ambition à chaque fois que je suis au départ d'une course. Voilà. Ça veut dire donc que tu es déçu de ta deuxième place, hein? Je suis pas déçu parce que je suis junior 1 et j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'aurais été encore plus content si j'avais gagné. Voilà. Tu fais des études en parallèle, hein? Oui, je suis en terminale STG ressources humaines et j'envisage après mon bac de faire des études de droit. Djilali, tu finis troisième après un magnifique sprint sur la fin de course. Tu as douté dans cette ligne droite? Oui, j'ai énormément douté. J'étais pas serein à la fin. On m'a rattrapé et j'ai cassé à la fin en fait. Voilà. Comment s'est déroulée la course sinon dans l'ensemble? En fait, on était 30 devant et il n'y a personne qui menait, on se regardait tous. Puis ça s'est joué au dernier 1500 mètres. Ça a attaqué. Romain, il a attaqué et j'ai essayé de suivre, j'étais 7ème et je mets une relance juste à la fin là. Tu partais avec quelles ambitions pour ce France? Les mondiaux, dans les 6. Voilà.